Électrique pour personnes à mobilité réduite. Il a 4 roues. C'est un assez gros. Il a une autonomie de 45 km. Il est rouge métallisé. Il a 2 batteries de 12 volts. Il va à la vitesse de 12 km/h. Il doit rouler sur les trottoirs et les pistes cyclables. Bon, parfait, Michel. Éclairage avant-arrière, un petit panier à l'avant, frein à main et moteur, je dis tout ce qui m'a mis. Il a acheté en décembre 2008 5 200 euros. Michel, pour ce scooter électrique pour personnes à mobilité réduite, un scooter de 4 roues, autonomie de 45 km, il est rouge, métallisé, et l'ami Michel, ou plutôt son papa du côté de Chèvremont, vous le propose pour 2600 euros. On va noter vos coordonnées téléphoniques. Il débarrasse d'un lit en 90. Il est complet, le tout pour 50 euros. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter, elle vous attend à Belfort, donc au 03.
Il arrive. Ah, il va pas vite. Il a arrêté. Il a eu peur de nous. Il a arrêté. Il est tout petit, mais... celui-là. Ah, ben alors, c'est qu'il ralentit ce tunnel, alors. Non, il ralentit sur le pour arriver au viaduc. Ah, il roule à ça, c'est tout. Hein. Et c'est les côtes phares, hein. Il y a des flics. Il y a le radar. Il y a le radar là-bas. Oui. Bon, oui, il roule pas vite. Si. Il est là, hein, déjà. Oui, ça fait rien, c'est pas loin, là. Ah, si, il va pas.
Le TGV 9580 à destination de Marseille-Saint-Charles partira voie 4. Il desservira Besançon-Franche-Comté TGV, Chalon-sur-Saône, Lyon-Pardieu, Avignon TGV, Aix-en-Provence TGV et Marseille-Saint-Charles. Marseille-Saint-Charles, départ 17h33, voie 4. Arrivez à Belfort-Montbéliard TGV, voie 4. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter la passerelle.